Aujourd'hui, je découvre pour vous la ferme d'alpaga de Sutton au 1474 chemin Macy à Sutton. Suivez-moi. Donc, nous venons de revenir de la ferme d'alpaga de Sutton au 1474 chemin Macy's à Sutton. Et vraiment, c'est une place que je vous conseille fortement d'aller parce que l'endroit est formidable et les gens qui s'y trouvent sont vraiment merveilleux. Donc, c'est une compagnie familiale, une entreprise familiale avec Claude, Francine et Geneviève, leur fille Geneviève, ben, la fille à Francine, et ils ont parti. Ça, en 2009, ils ont commencé à avoir le terrain et en 2012, ils ont débuté vraiment avec le premier arrivage d'alpaga. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? En fait, c'est, oui, ils font de la reproduction d'alpaga et ils font aussi pour toute la laine, pour faire le tissage, pour faire des vêtements, mais aussi pour la viande et pour aussi les concours parce qu'ils ont été champion de plusieurs concours d'alpaga. Ils ont vraiment une très belle génétique d'alpaga. Ils font très attention. Ils sont des minutieux. La qualité est importante et non la quantité. Donc, ils font très attention. C'est pas c'est vraiment calculer leurs affaires. Et on est allé les voir. Et là, les alpagas, ils en ont quand même une couple. Là. Ils en ont beaucoup. Et en fait, là, les alpagas étaient encore avec tous leurs gros poils. J'ai pu leur toucher. Il y en a un qui s'est laissé toucher et c'est Simba. Et dans 2 semaines, Simba s'en va en concours, en show. Donc, je suis vraiment contente d'avoir pu y donner même un bisou à Simba. Je suis vraiment heureuse. Alors, quand vous allez là-bas, là, vraiment, vous allez retrouver Francine au niveau de la boutique. Elle est formidable. Vous pouvez lui parler pendant des heures et des heures. Elle est attachante, elle est motivée et elle connaît tout sur l'alpaga, en fait, là, c'est vraiment une passionnée de l'alpaga. Et justement, dans la boutique, on retrouve, comme je vous disais, des vêtements qui ont été conçus par les
par Francine et des amis et tout. Et ils font en fait des morceaux de vêtements, des tuques, des foulards, des manteaux. Et cette laine-là vient vraiment de leurs alpagas à eux. Et la laine d'alpaga, eux, n'a pas été traitée du tout. Donc, elle n'est pas teintée. C'est vraiment, si c'est de la laine noire, c'est, admettons, la laine de Tamara, qui avait été ma première expérience de bisou d'alpaga. Et, oh, elle est tellement belle, cette alpaga. Alors, si c'est la laine, et ça va être écrit de quel animal la laine vient. C'est ça qui est merveilleux. Et on peut acheter de la laine aussi sur place pour, après ça, faire nos confections à la maison, de tuques, de bandeaux, de foulards, ce que vous voulez. Pour de vrai, j'ai mis ma main dans un alpaga, non vraiment, dans sa fourrure, et c'est tellement chaud, c'est un fou raide, vous allez être content avec de la laine d'alpaga. Et eux, à leur boutique, ils offrent, oui, des produits complètement, donc, québécois, qui complètement de leur ferme à eux, mais ils se sont aussi affiliés avec d'autres fermes d'alpaga du Québec pour faire des produits aussi québécois. Parce que des fois, ben, ça l'aide, quand on s'entraide, c'est toujours l'idéal. Et ils ont aussi une portion de la laine du Pérou. Évidemment, les alpagas viennent du Pérou. Alors, ils ont été chercher au niveau de l'Amérique du Sud des laines d'alpaga et il y a d'autres collections aussi. Donc, vous pouvez vraiment trouver de tous les budgets pour ce qui vous convient aussi. Mais ce qui est malade de la boutique pour nous, c'est vraiment la viande. Parce que oui, ils en envoient quelques-uns à l'abattoir. Ils nous ont dit que c'est souvent les méchants. C'est ceux qui s'entendent pas bien avec les autres. Fait que pour éviter, étant donné que les alpagas vivent en meute, en troupeau, il ne faut pas qu'il y en ait un qui vienne déranger toutes les autres. Alors, c'est à ce moment-là qu'ils doivent prendre la décision de l'abattre. Et ils prennent tout de cet animal-là pour vraiment le revendre. Et c'est hallucinant, la viande d'alpaga. C'est vraiment pas gras du tout. C'est la viande la moins grasse qu'on peut trouver comparée à du bœuf, comparée à du poulet, comparée à de l'agneau. C'est vraiment malade. Et ben, nous, on fait des razzias à chaque fois qu'on y va. Donc, ils savent. Francine est au courant qu'on prend un de chaque à chaque fois qu'on y va. Fait qu'on est vraiment choyés. On a vraiment, vraiment du bon service. Et Geneviève, pas parce qu'elle a le même nom que moi, mais Seigneur, c'est une perle. Elle est fantastique. Vous pouvez parler aussi. Puis c'est elle qui va emmener les alpagas en show. Donc, c'est vraiment. Elle est hallucinante, Geneviève. J'y envoie des bisous en même temps. Alors, ce qu'on a acheté, nous, on a de la terrine d'alpaga. C'est la première fois qu'on l'essaye, qu'on va l'essayer. On ne l'a pas essayé encore. Et il y en a trois sortes. Porto et canneberge, champignons forestiers et duo de poivre. Alors ça, on a vraiment hâte d'y goûter. On n'a jamais testé encore. Ensuite, ce qu'on peut retrouver, là, la viande d'alpaga pour fondue chinoise. C'est-tu pas bon, ça? Hey, ça fait un souper gastronomique là, au bout. Ensuite de ça, on a là les saucisses. Les saucisses d'alpaga, c'est tellement bon et c'est ce qu'on va manger ce soir justement. Fait que je vais en garder un pour le décongeler et on va manger ça tantôt. Ça va être délicieux. Alors, on a saucisses tomates et basilic sans gluten. Hein, pour toutes les personnes qui sont cœliaques, c'est vos produits. Faut vous les essayer encore plus. on a des saucisses cheddar bacon sans gluten. On va continuer les saucisses. Saucisses moutarde Dijon, toujours sans gluten. On continue dans le plein. On a les merguez. Les merguez sont bonnes. Dans un bon sandwich, là. Oh, oh là là. C'est délicieux. Ensuite, oui, il reste des saucisses. On a saucisses italiennes douces. Pourquoi pas? On a saucisses fines herbes. Quand je disais qu'on avait comme fait une razzia, c'est pas une joke. On a. Hey, ça, c'est nouveau. Des alpagas, des pépérettes. Des pépérettes. C'est vraiment hot, là. Hey, ça, il n'y en avait pas avant. Fait que là, on va essayer ça aussi. Ensuite de ça, on a des côtelettes. Deux petites côtelettes. Puis il faut.
On a des saucisses à déjeuner, mais comme des petits patties à déjeuner. Aïe. On a la viande hachée. La viande hachée d'alpaga. Et filet mignon. Un filet mignon d'alpaga. Si vous savez, l'alpaga, là, ça paraît gros, mais c'est beaucoup plus de fourrure. Alors, il n'y a pas beaucoup de viande sur de l'alpaga. En fait, il y a deux filets mignons par alpaga et c'est environ cette taille-là de un filet. Donc, il y en a deux par animal. Fait qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup. Alors, on est choyé d'en avoir. Ils nous en avaient mis de côté. Elle savait qu'on s'en venait, alors on a eu une petite. On a eu un petit plus. Alors. Alors, la tonte, si jamais vous voulez peut-être voir ce qui se passe, la tonte a lieu au mois de mai. Ils m'ont parlé peut-être deuxième semaine de mai. Alors, présentement, les alpagas sont tout touffus, ils sont tellement beaux, ils sont tout doux, ils se laissent pas trop approcher, ça dépend. Ils sont quand même peureux, mais on est capable, il y en a certains qu'on est capable d'aller les approcher avec des petits bisous puis des petites caresses, mais encore là, ils sont peureux. C'est ça, c'est pas un endroit qu'on va les promener, les alpagas, mais on peut les voir, c'est tellement gros, je pense que c'est 120 hectares de terrain qu'ils ont, et on peut l'été aller faire des pique-niques, il y a même un étendu d'eau, c'est tellement enchanteur comme site, je vous jure, ça vaut le détour, et si vous êtes là-bas, ben, pourquoi pas arrêter, aller vous chercher de la viande ou des produits québécois, et vraiment, là, vous le regretterez pas et ça va être des belles découvertes à faire découvrir à votre monde parce que c'est rare qu'on a goûté à de l'alpaga. Alors là, je me tire un peu dans le pied parce que je veux toujours qu'il y en ait pour moi parce que c'est vraiment excellent. Mais je vous le recommande parce que vraiment, c'est un incontournable maintenant pour nous d'en avoir dans notre congélateur de l'alpaga. C'est délicieux. Alors, nous, ça nous permet d'aller les voir en même temps et d'aller leur dire un petit coucou en même temps. Alors, vraiment, la ferme d'alpaga Sauthune, c'est un très bel endroit. Vous pouvez aller faire des pique-niques, comme je vous disais, aller vous promener. Il y a des matchs qui se donnent, évidemment. Ils ont tellement un grand terrain. Vous pouvez aller vous promener et aller voir toutes les alpagas là-bas. La seule petite affaire, c'est que les chiens sont interdits. Donc, je vous le dis tout de suite, emmenez pas votre chien parce qu'il fait peur, ça fait peur aux alpagas. Alors, voilà la petite restriction, mais je vous recommande 100% cet endroit-là et vous m'en direz des nouvelles si vous êtes allé. Alors, on se revoit pour une prochaine capsule la semaine prochaine. Bye bye!